Je ne voulais pas faire de direct ce soir parce que j'étais parti rendre visite à un très grand couple, à un grand monsieur de la Guinée, une personnalité de notre pays, l'ancien chef du gouvernement. Et là, c'est Ould Diallo. Et là, c'est Ould Diallo qui était à la mosquée à Philadelphie, qui est venu rendre visite à tous les Guinéens sans exception. Qui a prié parmi nous aujourd'hui à Philadelphie, et avant d'aller manger quelque chose. J'ai été très honoré, aujourd'hui très très honoré. Mais il y a un petit passage qui va un peu gâter mon direct, c'est-à-dire concernant la sortie d'un individu, même si certaines personnes nous ont dit de ne pas le répondre. De ne pas le considérer, mais je vous en prie, permettez-moi de le répondre. Parce que moi, j'ai passé une très très belle soirée avec la famille Diallo, avec la Sédane Diallo et son épouse qui m'a invité spécialement. Inch'Allah, je serai à Washington demain aussi parce que pour le dire au revoir, si il doit rentrer. Excusez-moi. Voilà. Donc, partagez le volume, il faut revoir ton téléphone, monsieur Diomabari. Donc, nous avons tous vu le poste et la sortie de Singleton. Vous savez, aujourd'hui, le problème, encore une fois, nous avons gagné sur eux. Nous avons gagné sur eux. Mais permettez-moi de commencer par remercier, dire encore une fois, salam alaykoum, alhamdoulilah, et madame. C'est-à-dire qui m'ont reçu avec grand honneur, avec respect et considération. Je ne voudrais pas passer sans leur dire merci, parce que ce ne sont pas des personnes ordinaires, ce ne sont pas des personnes, voilà, comme toute autre personne, ce sont des personnalités de ce pays. Nous sommes certes différents par la politique, ou bien nous sommes certes différents dans les idées, dans les programmes politiques. Voilà. Mais, franchement, à part tout ça, là, moi, ce sont mes parents aussi. Tu ne peux pas rejeter tes parents. Nous ne sommes pas dans le cadre de rejeter même. Voilà. Je suis allé prendre conseil. Je suis allé écouter. Je suis allé prendre des nouvelles aussi du couple Diallo, de la soeur et son épouse. Mais ce que j'ai trouvé aujourd'hui, vraiment, c'était l'estime. L'estime, la considération. Franchement, la considération. L'estime, la considération. Je ne suis pas le seul Guinéen. Voilà, je suis un de leurs, je suis un des enfants. Oui, mais l'amour, le respect, les caresses. Franchement, je ne me retrouvais pas parce que je pensais. C'est-à-dire, c'était comme. Voilà, c'était la première fois de voir la famille. C'était la première fois de voir le couple. C'était la première fois de voir Adja. J'ai parlé avant avec Adja au téléphone. Mais là, c'est aujourd'hui, on a parlé le matin au téléphone. Il me disait qu'il vient à Philadelphie. Bon, voilà. Donc, franchement, je suis allé voir Elage. Il m'a donné des conseils. Voilà, moi je l'ai écouté, je n'ai rien dit, je n'ai fait qu'écouter le papa. Il m'a parlé, il m'a conseillé et franchement, merci, merci à la famille. J'ai pu aussi échanger avec une de ses filles. Nous avons échangé avec les nièces, les cousines. Il y avait la famille au complet, presque au complet. Et je remercie aussi l'IFDG de Philadelphie. Voilà, j'ai rencontré certains frères quand même, avec qui nous avons fait les combats avant, à New York, et ils ne sont pas des personnes étrangères à moi, et voilà. Donc, vraiment, c'était extraordinaire, j'ai été touché par l'acte, la considération, et franchement, je le dégage de mon cœur, je le dis avec force, et merci, merci à Elaz, c'est Ould Diallo. Voilà. Excusez-moi. Ah, Bakali Tiangora. Eh.
Ah, c'est pas un Guinéen, excusez-moi. Encore une fois, merci. Et je voudrais terminer par ceci, Adjal Magdalen Diallo Mama. Je voudrais vous dire merci. Teddou Gangal, merci pour le plat, merci pour tout, merci pour les conseils. Voilà, continuez dans ce sens. Nous sommes vos enfants, rien que vos enfants, et nous sommes là, et nous resterons toujours à vos côtés, écouter les conseils, parce que c'est ça aussi la Guinée. Voilà, nous avons besoin de vos conseils. Voilà, et il y a eu tellement de... J'ai, bon, le temps, sinon... Ok. Franchement, le temps, il y avait tellement de monde, mais franchement, merci, merci pour les conseils. La causerie, je l'ai tellement aimée, et puis la petite causerie, voilà, les résumés de beaucoup de choses. Franchement, merci. Non, non, Fodakam. Ok, c'est pas grave aussi. Merci à tout le monde. Donc, que j'ai dit victoire, mon frère. Voilà, du courage à tout le monde. Et franchement, encore une fois, merci. La vidéo ne sera pas longue. Je devais simplement faire un petit direct de 10 minutes pour témoigner, dire encore une fois merci, témoigner cette joie, dire ce que j'ai pris aujourd'hui comme conseil. Et là, c'est dans l'Indialo, Adjal Magdalen Diallo, maman, merci pour tout. Inch'Allah, on se retrouvera demain à Washington, D.C. Voilà. Yeah, madame Yari, you too, thank you. C'est la fête le lundi, donc c'est le week-end prolongé. Inch'Allah, il n'y aura pas de souci. Inch'Allah. Nous serons demain à Washington aussi, pour encore une fois, pour vous dire au revoir. Voilà. Damaro aussi, je pense, sera de la partie. Donc, Tidjan depuis Biskrima, merci. Je viens juste de rentrer à travers ce direct. Et ce qui m'a beaucoup touché aujourd'hui, j'ai pu parler aussi avec votre maman. Voilà, j'ai été très touché et j'ai été très marqué du fait que la maman aussi, à son âge, avec toute la fatigue, suit mes vidéos. C'était la maman de Adjal Magdalen Diallo. J'ai pu causer avec elle en vidéo. Elle me suit. Vraiment, elle était très, très amicale, très, très gentille. Voilà. Donc, merci vraiment à tout le monde. Merci à la famille IFDG de Philadelphie. Et merci à la maman. Voilà. Non, c'est que moi, ne t'en fais pas. Voilà. Et tu sais, moi, je vous conseille parce que vous n'osez pas faire votre photo. Voilà, voilà. Si vous voulez qu'on reste derrière moi, je n'étais pas demandé de rester derrière moi. Nous, on ne cherche même pas des personnes comme vous qui se cachent, voilà, derrière des trucs comme ça. Je suis très content, malgré qu'il y a un vaurien, peut-être un vaurien qui a manqué de respect aujourd'hui à toute une communauté, voilà. Mais je voudrais te répondre, petit singleton. Je veux profiter de petit direct de remerciement à la famille Diallo, à Adjal Magdalen Diallo, à Elaste Dalen Diallo, pour te répondre. Tu as dit qu'un soussou qui n'insulte pas est un soussou adopté. Voilà, moi je laisse ça dans les mains des grands frères que je connais. Parce que je n'ai pas d'abord eu la chance de joindre certains frères qui sont devenus mes conseillers, qui sont soussous, qui sont de la basse-côte, avec qui nous avons décidé de travailler ensemble. Moi j'attends d'abord que ces frères-là me contactent et me donnent les grandes lignes pour te répondre. Tu comprends, non? J'étais toujours dit, et je le répète encore, hein? D'accord, so on va parler de ça, grand frère. Nous parlerons de ça, Inch'Allah. Boissam, ça, merci. Donc, j'attends d'abord que les frères-là me contactent. Je vais bien discuter avec les frères-là pour savoir comment te répondre. Merci, Boissam, ça, mon champion. Parce que, singleton, moi, je ne me précipite pas pour répondre à certaines futilités. Mais il paraîtrait, selon les informations que j'ai reçues, que vous avez un souci avec Mamadi Doumbouya. Il paraît que vous avez un souci. Vous avez un souci de décaissement d'argent. Vous avez un souci de financement. Vous avez un souci d'organisation. Voilà. Maintenant, Mamadi Doumbouya, là, lui, là, il sait que vous êtes des escrocs. Il le sait très bien. Voilà. Doumbouya, là, sait que vous êtes des escrocs. Voilà. Vous savez, tu es un peu fâché parce que c'est à travers nos directs. Hein. Hein, Ousmane Diallo, ok, Amamou. C'est ce qu'on appelle ça. C'est à travers nos directs, c'est à travers vos anciennes vidéos, vos anciens posts
vos anciennes appréciations envers certains opposants et présidents de la République dans ce pays, que Doumbouya s'est rendu compte que vous êtes des lâches. Est-ce que vous comprenez? Donc Doumbouya là, il veut le RPG et l'IFDG. Voilà, c'est ce qu'il cherche. Vous avez vu qu'il n'y a aucune facilité de décaissement d'argent pour des mamayas. Voilà. Ce que Takana organise là, demandez à Takana qui a de l'argent pour organiser l'événement à Koya. Mais Takana sait que l'événement là sera boycotté. Il le sait très bien. Il sait très bien. Il faut demander à Takana. Voilà. Oudi s'est rajouté à ça. Il s'est rajouté à cet événement. Demandez, mais toi, singleton, ton son, faut demander à Fode Kouyaté, il faut demander aux autres qui ont chanté Doumbouya. Allez-y voir le nombre de vues. Ce qui me fait rire, et ce qui est... On ne sait pas où tu vois la vidéo, peut-être que tu es à l'est ou à l'ouest, ou bien tu es dans la lune. Mais monsieur le président, j'aimerais te dire que je sais que tu sais que ceux qui sont en train de vouloir faire des vidéos pour toi, savent que, tu sais que, ils sont dans l'hypocrisie. Ouais. Dans ce pays, la Guinée, on sait tous que, on connaît qui est qui dans ce pays. Ouais. Aujourd'hui, on nous a fait croire que, pour devenir une star, ou bien pour avoir une notoriété dans ce pays aujourd'hui, ou bien pour être financé dans ce pays, il faut chanter pour le président. Ben, monsieur le président, je vous dis que, ceux qui ont dit ça, j'aimerais les lancer un défi parce que j'aimerais te faire comprendre que, monsieur le président, toi-même, tu sais, moi, je suis un jeune comédien artiste qui fait des dénonciations, des faits, des dénonciations que vous avez vues. Oui. Monsieur le président, je n'ai pas besoin de me présenter à vous. Donc, je suis devenu artiste chanteur. Parce que c'est dans ça, aujourd'hui, il y a l'argent. C'est dans ça, il y a financement. C'est dans ça, il y a prise en charge. Uh-huh. Donc, moi, déjà, j'aimerais vous dire que, monsieur le président, j'ai fait déjà 2 albums. Et dans tous ces albums, je suis plus que chanteur. Parce que dans tous ces albums, monsieur le président, c'est ton nom seulement qui est dedans. Yeah. J'ai dit du début jusqu'à la fin, c'est Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya, jusqu'à la fin. Donc j'ai fait 30 sons. C'est-à-dire 15 sons dans le premier album et 15 sons dans le deuxième album. Donc c'est Mamadi Doumbouya du début jusqu'à la fin. Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya, Itananabi, Itananabi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de couplet. C'est Doumbouya, Doumbouya, Itananabi, Itananabi. Voyez, c'est ce qui fait de quelqu'un aujourd'hui dans ce pays-là. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un ici. Mais la seule personne qui est quelqu'un ici, c'est vous, monsieur le président. Donc, monsieur le président, je sais que demain vous allez m'appeler parce que mon son déjà est déjà fini. Donc, les clips vont commencer, mais j'ai besoin de financement pour faire les clips, même à Hawaï. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, juste la partie là, je vais pas. Voilà, vous avez compris. Parce que aujourd'hui, c'est comme. Il a parfaitement raison. Si tu veux avoir de l'argent aujourd'hui, grand frère Sissavane, salam alaikum, m'croke. Parce que vous l'avez compris, c'est un comédien, mais ce qu'il a dû dire là. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu veux avoir de l'argent, il n'y a rien dans le pays. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a, y a pas d'activité, il n'y a rien. Il n'y a pas de travail. Il y a l'insécurité. Regardez comment on a tué l'opérateur économique là. Il n'y a rien dans ce pays là. Pour avoir de l'argent ou avoir un financement, il faut demander Doumbouya, Mali Doumbouya. Allez-y, écoutez les chansons. Il n'y a rien. C'est-à-dire, lui, il connaît un peu comment on compose les musiques. C'est-à-dire, ce sont des musiques. Mamadi Doumbouya, oh, Mali Doumbouya. Mali Doumbouya, oh, Mali Doumbouya. Tiens, yao, thank you. Mali Doumbouya, oh, Mali Doumbouya. C'est-à-dire, écoutez les chansons. Il a parfait. Il n'y a rien dedans. Simbomba, il dit. Simbomba, il dit. Mali Doumbouya, oh, Simbomba, il dit. Simbomba, il n'y a rien dedans. Donc, singleton, je voulais te dire. Nous connaissons le sous-sous. Nous connaissons les sous-sous. Nous connaissons, c'est ce que je disais avant-hier. Personne ne prendra maintenant le nom d'un sous-sous pour nous pincer les yeux. Non, ça ne peut plus marcher. Lorsque je suis allé tout sur la salle, et là, c'est dans l'Indialou, il y avait plus de 3 personnes sous-sous qui étaient là-bas pour venir dire bonjour à Ella sur l'Indialou. Devant moi, hein, je viens de poster une photo, le monsieur qui est là, c'est un malinqué. Il était là-bas, après ça, nous avons causé. Ça ne marche plus, mon frère. Ça ne marche plus. Hé, hey, l'affaire de Soussou, là, c'est comme ça. Tu dis qu'un Soussou qui n'insulte pas est un Soussou adopté. J'attends pour la réponse. Tu as dit quelque part, même si on te donne, moi d'Afrique, même si on te donne, c'est ce que tu dis dans ton poste,
que même si Serouda Lengalo te donne 20 milliards, que tu ne vas pas chanter pour Serouda. Mais attends, qu'est-ce que tu chantes? Voilà, c'est la question. Parce que je ne réponds pas à la place de l'IFDG. Mais je suis en train de te... Tu dis que même si on te donne 20 milliards, t'as dit que tu te donnes une importance. Je le jure sur le Saint-Coran, Saint-Gleton. J'ai passé 41 ans de ma vie sur les 40 et quelques là en Guinée. J'ai grandi dans les villages de Fouta et d'Abola et Fer Kanka. Les deux grandes villes que j'ai fait un peu là, c'est Mamou et Kanka. Sinon, moi, j'ai grandi, mais je n'ai jamais écouté une de tes chansons. Jamais, j'aime beaucoup la musique guinéenne. Je peux écouter Azaya, je peux écouter Yamasega, je peux écouter, mais toi, même par erreur, c'est-à-dire même quand je fais défiler YouTube, c'est-à-dire je fais passer les musiques là, aucune de tes chansons ne se programme dans mes, jamais. Alpha Yo, I'm good, Alpha Yo, I'm good, I'm so good. Yeah. C'est-à-dire, tu te donnes, merci Raïm, merci Castro, merci beaucoup. Tu te donnes une valeur. Tu donnes une valeur. Je ne vais pas te montrer, il y a ma mère biologique qui me suit comme ça. Il y a ma mère biologique qui est là, qui me suit comme ça. Donc je me réserve de dire beaucoup de choses. Dès que je l'ai vu, donc je ne vais pas continuer. Je laisse comme ça. Parce que tu dis qu'on te donne, même si on te donne 20 milliards, c'est ce que tu as posté, que même si on te donne 20 milliards, mais il s'agit de savoir d'abord qu'est-ce que tu chantes. Voilà, qu'est-ce que tu dis quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais qui va pousser l'IFDG à te donner 20 milliards? Il y a des gens qui ont chanté pour le RPG, pour notre parti, pour le Prosa Fakonde. Ils n'ont pas eu 20 milliards, c'est toi. Hein? Regarde-toi. Tu étais dans l'agriculture, ça a donné quoi? C'est-à-dire, tu dis quoi même? C'est ce que mon frère s'engage. C'est-à-dire, tu dis quoi même? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis qui mérite ça? Parce qu'on parle de 20 milliards. La question est de savoir qu'est-ce que tu dis qui mérite d'être payé à 20 milliards. Parce que, il y a des gens qui ont santé pour l'IFDG. Il y a des chansons, il y a même Lama Sidibé, qui est un frère de maman. De Horé Fello, je connais bien Lama Sidibé, que j'apprécie beaucoup. Tu as vu Lama chanter pour Toumba Diakité. Il n'a pas demandé de l'argent. Voilà ce qu'on appelle. Toi, tu parles de l'argent. C'est-à-dire, je prends ton exemple pour montrer aux gens que vous êtes dans la fête. C'est à cause de ça que j'ai pris la partie du comédien là pour te montrer. C'est-à-dire, voilà, c'est à cause de l'argent, quoi. Vous ne chantez pas quelqu'un pour l'amour. Et les autres chantent pour l'amour. Tu as vu Lama Sidibé. Il faut demander à Lama Sidibé. Combien l'IFDG a donné? 0 franc. Peut-être les gens ont partagé son clip, ou bien les gens l'ont fait des cadeaux. Mais l'IFDG dit, voilà, parce que tu as chanté notre parti, voilà, on te donne 20 milliards, 30 millions. Non. Est-ce que Toumba a l'argent pour donner à Lama Sidibé? Toumba n'a pas d'argent. Toumba n'a pas d'argent, mais il a chanté le nom de Toumba, l'amour. De la reconnaissance. Moi, je me suis déplacé comme ça. Après la prière, j'ai suivi Ella jusqu'à son hôtel. Jusqu'à son hôtel. Va voir sur ma page. Nous ne sommes pas du même parti politique. Hein. Mais avant tout, c'est un oncle à moi. Il m'a reçu même au téléphone quand il m'a appelé. Neveu, comment va? Il m'appelle, neveu, comment vas-tu? Nous mettons nos différentes politiques de côté et puis nous causons. J'étais là, il m'a demandé de me déplacer pour aller le trouver à Washington demain pour qu'on parle un peu, on cause un peu. C'est de la considération, c'est pas autre chose. Hein? C'est de la considération. Merci frère Bamba Kemoko. Dans ce pays-là, moi, quand Azaya dit, voilà, si tu parles d'Azaya là, nous sommes prêts à donner tout à Azaya. Tu parles d'Azaya, on met, merci ma soeur Brigitte, merci beaucoup mon amour, ma soeur chérie. Azaya, délicat de Bito, comment appelle ça? Tu as vu le tonton Yaya Bangoura. Yaya Bangoura est un ancien artiste.
Mais je te le jure, dès que tu mets la mise de Yaya Bangoura, c'est comme si c'est aujourd'hui la chantier. Regarde le morceau de Sekouba Bambino, les anciens artistes là. Tu as vu la chanson qu'il a dédiée à un malien là. Il faut aller écouter. Quand tu écoutes là, tu es branché. C'est-à-dire que tu es connecté. Mais quand on met pour toi là, maintenant qu'est-ce que pour toi là, ça mérite combien? Tu dis même si on me donne 20 milliards, je ne vais pas chanter. Mais il faut demander à ce parti là s'ils ont besoin de que tu chantes pour eux. Moi je pense que, si j'ai bonne mémoire, je pense que ce parti là, l'IFDG a tellement d'artistes pour chanter gratuitement au lait, toi. Moi, je suis un enfant très bien éduqué. Tu comprends, non? Avec ma fille, là, je ne voudrais jamais suivre tes clips. Parce que quelqu'un m'a envoyé un clip là où presque les filles sont nues. On dit non, c'est comme ça, on danse vos morceaux. Moi, Benito, avec ma fille, j'ai une fille. Je ne montrerai jamais cet exemple à cette fille. Je voudrais que mon enfant soit quelque chose dans ce pays-là. Tu comprends, non? Toute personne sérieuse, je dis bien toute personne sérieuse, c'est parce que tu n'es pas sérieux. C'est parce que tu n'es pas bien éduqué. C'est ça le problème. Parce que tu es en train de rajouter des sous-sous dans ça. Parce que tu as vu, non, 90% des sous-sous responsables sont en train de t'insulter. La grande sœur, la tata Diana, qui est au Canada, tu as vu sa vidéo contre Oudi Premier, c'est la canin. Voilà, il a traité tous ces petits artistes-là, sous-sous qui s'y font, c'est la canin. Va, parce que tu es en train d'insulter 90%, même le petit qui est au Maroc, là, il t'a lavé propre. Parce que c'est lui qui nous a dit que tes cheveux sentent. Moi, je ne savais même pas. Voilà, moi, je ne savais même pas que tes cheveux la sentent. On me dit, il a dit dans sa vidéo, Oma Swarawa Aruni Rime. J'ai écouté sa vidéo, j'ai suivi sa vidéo jusqu'à la fin. Alors, je demande à tout un chacun d'aller juste prendre une minute. Rima So, Singleton Rousserera, et ressenti. Aïe Rousserera, Riminima. Qu'est-ce que vous avez dit? Pour Takana, les gens étaient obligés de tout faire pour avoir la photo de l'intérieur de sa bouche. Mais le photographe là est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il s'est débrouillé pour faire dévier sa bouche comme ça, afin qu'on voit les dispositions de la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Takana n'a qu'une seule dent. Takana n'a qu'une seule dent. Une canine ici. Une petite canine ici. Tout le reste là, c'est coupé. Il n'y a pas de dents. Maintenant, des gens comme ça là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont à en dire? Là, tu parles de 20, que même si l'IFDG, non, tu as dit Selou, même si Selou te donne 20 milliards d'euros, mais dis donc, il faut demander à Selou. Selou que j'ai vu aujourd'hui là, il ne parle que politique, il respire politique, il mange politique, il fait politique. C'est un politicien, c'est un administrateur. Même quand vous l'écoutez, moi je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu face à face. Aujourd'hui, quand je l'ai écouté, j'ai compris qu'il a fait l'école d'administration parce que tout est ordonné dans ses propos. Tout est ordonné dans ses propos. Il suffit que tu sois à côté de vous, tu l'écoutes. Ah, méthodique. Non, je connais méthodique. Méthodique, c'est mon ami. Méthodique, nous sommes trop d'accord. Ah bon? Non, Fodia Kamalou, Allah de mon frère, il n'en a pas là. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Et nous, Allah Tagui, c'est son cousin. Oh non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Non, s'il te plaît, mon frère, ne dis pas ça. C'est le cousin méthodique. Non, bon. Donc, Ntandamba Bene, voilà. Tu devais respecter le sous-sous. Tu as vu ce qui vous étonne aujourd'hui, c'est que Mamadi Doumbé a refusé de financer les festivités du 5 septembre. Voilà. Mamadi Doumbé sait que nous sommes capables d'organiser. Ok, je l'appelle souvent Angliman avant, méthodique, Nagliman. Nagliman, je vais l'appeler. Non, Podakam, non, à nos frères. Ah! Yos! Ah! Mon méthodique défend trop même, sont trop d'accord, trop même, trop même.
Ah. Voilà. Donc, vous devez pas, c'est-à-dire, vous êtes en train de mettre votre déception sur nous, quoi. Vous êtes en train de mettre votre déception sur nous. Ce n'est pas notre faute que Doumbé a refusé de financer. Parce que toute personne sérieuse ne peut pas vous donner de l'argent avec l'état de la Guinée actuelle. Regardez ce pays. Regardez ce pays. Regardez partout. J'ai même vu un tronçon, ils sont en train de mettre des cailloux. Et pourtant, j'ai envie de demander à Audi Preno, c'est tous les 2000 km de route faites par le CNRD. Je me demande, je cherche les demi-routes. Est-ce que vous comprenez? Attendez, je vais aider un peu. Excusez-moi, je vais aider un peu. Voilà. Donc, nous allons dire à ces gens-là, je demanderai à la communauté de ne pas faire attention à la sortie de cet individu-là, parce que dire qu'il y a des sous-sous, ce sont des sous-sous adoptés, un sous-sous qui n'insulte pas. Moi, je connais beaucoup de sous-sous, beaucoup de sous-sous. Je dis, voilà pourquoi quand tu, par exemple, voilà, c'est-à-dire, je suis témoin, voilà, quand tu fais ta vie en Guinée, c'est-à-dire quelqu'un qui a passé 40 ans en Guinée, qui a grandi dans des villages, les sous-préfectures, les préfectures comme ça. Franchement, des universités à vocation pratique. Parce que, je ne sais pas si c'était la culture de l'enseignement supérieur avant. Si vous remarquez, c'est une vision de la plupart des étudiants des années 2000, non, à 95, 97 jusqu'à 2005. Quand vous regardez les universités d'alors, quand vous regardez tous ceux qui sont orientés, les étudiants qu'on orientait à Farana, 90% venaient de la basse-côte. Je ne sais pas si j'étais le seul à faire cette appréhension. Et beaucoup d'étudiants de Gamal, beaucoup d'étudiants de Gamal venaient de la Haute-Guinée et du Fouta et la forêt. Et beaucoup d'étudiants de la basse-côte là étaient répartis, en tout cas entre Farana et là. Quand vous partez à Farana, 90% des causes, c'est le sous-sous. À Farana, presque, il n'y avait que des sous-sous, des jeunes sous-sous, qui sont devenus des grands ingénieurs. Je dis bien des grands ingénieurs. Aujourd'hui, quand vous voulez trouver un ingénieur de pont, un ingénieur de la plupart sont des sous-sous. Ils ont fait les écoles techniques. Bon, je ne sais pas si je suis le seul qui avait fait cette remarque. En tout cas, nous, il y a quelqu'un qui a soutenu, a pris un thème de mémoire en économie rurale sur ça, je crois bien, les marchés publics. Là. Il avait constaté, pendant ses exposés, il avait fait cette... Et cela a été beaucoup apprécié par Dr. Sapo Indo, par Dr. Sarabay Lo Diallo, par Dr. À paix à son âme, il est décédé... Voilà. Le seul département de l'agriculture d'alors, il est de Koya. J'ai pas envie de pleurer. Le monsieur là était trop gentil. Trop gentil. Yeah. Il y avait des chefs de département gentils, mais quand tu prenais Dr. Mamadou Aliou de l'élevage, on me dit que c'était presque mon tuteur. Wallahi. Docteur, l'aide de Koya, il était trop gentil. Portez-vous bien. Donc, Audi Premier et Singleton, nous avons le respect pour les sous-sous. Nous disons à nos compatriotes guinéens sous-sous de ne pas te considérer, de ne pas t'écouter. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu as reçu suffisamment aujourd'hui. Nous ne sommes pas responsables de votre échec. Doumbouya n'a pas d'argent. Doumbouya n'aura aucun franc pour vous donner. Vous comprenez? Aucun franc pour vous donner. Ne t'en fais pas, il n'y a pas d'argent. C'est son jeune frère, là, Lassana, là, qui vous finance. Monsieur Bouakabari, pourquoi vous avez dit son nom? Grand. Docteur Abou Souma.
Oh, pourquoi vous avez dit son nom? Eh, docteur Abou, docteur Abou Souma. Ça dit un sousou calé. Il est docteur, il est le chef de département de l'agriculture. Non seulement chef de département de l'agriculture, le FAO, c'est-à-dire le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'avait pris comme consultant. Tous les projets agricoles dans ce pays-là prenaient ce monsieur comme consultant. Demandez à tout le monde, docteur Abou Souma. C'est-à-dire qu'il n'a pas la taille comme ça, mais il était calé. Très calé. Docteur Abou, non, ce n'est pas la peine. Même quand tu es en exposé, tu es en train de soutenir, c'est-à-dire tu es sur ta thèse de mémoire, tu es en train de soutenir. Il est très rare qu'il vienne dire non, c'est faux, c'est pas vrai. Mais, vous allez voir docteur Abou en train de vous guider dans votre débat. Il va vous orienter pour ne pas que les autres membres de jury soient trop sévères, hein, parce qu'à Farana, on ne donne pas une mauvaise mention à quelqu'un. C'est la mention que tu mérites, que tu recevras à Farana. Il n'y a pas de complaisance à Farana. Demandez à tout le monde. Il n'y a pas de complaisance à Farana. Docteur Sarabay Le Diallo, c'était le chef d'orchestre. Il surveillait tout. C'était le patron de la formation. Et il a donné des produits à ce pays. Des vrais produits à ce pays-là. Docteur Sarabay Le Diallo. Je n'ai jamais vu un étudiant que ce monsieur-là a géré sans faire sa main comme ça pour lui dire merci. Il a été deux fois meilleur cadre de la Guinée au temps d'Alpha Condé. Docteur, sois béni, merci. La dernière fois, il a été invité, il était maître de conférence quelque part là, tout récemment. Je l'ai vu réapparaître avec... Il est professeur maintenant, excusez, il est professeur. Sidimé aussi, Sidimé était mon consultant. C'était mon consultant. Voilà, lui aussi, il est professeur en virologie. C'était mon consultant. Donc, merci à tout le monde. Oudi, Singleton, c'est pour te dire que Moutan socio-écolo, nous connaissons des... Docteur Aboula, il y avait beaucoup de jeunes chez lui. Tous les étudiants venant de la basse-côte là avaient sa maison, c'est Docteur Abou. Tout le monde. Tu es de Friaba, tu es Kwaba, c'est Docteur Abou là chez toi. On n'insulte pas chez lui. Tu comprends, non? Donc moi, même ses enfants, Ablo et autres, je n'ai jamais vu ses enfants là insulter. Je peux citer même Docteur Morla et Kindersila. Docteur Morla est paix à son âme. C'était mon chef de département. Docteur Mola Kindersila, on n'insulte pas chez lui. Il était sous-sous. Hein? Ah, chevalier en titre, oui. Merci. Voilà, chevalier en titre, oui. Docteur Sarabal a reçu ça dans son pays. Quand c'est les sous-sous qui n'insultent pas, Nemu Kombitima, parce que tu veux. Je connais un grand ici, j'ai foulé les sous-sous. Lui aussi, les sous-sous. C'est un sous-sous, hein? Nemu Kombitima. Nyanga, quand tu vois un sous-sous qui les se passer, que c'est un sous-sous adopté. Nyanga m'a dit. Bonne nuit, que portez-vous. Ne vous en faites pas. Et merci, au revoir, merci beaucoup. Merci à Erasto Dalendialo et à Dialmot Dalendialo. Merci pour les conseils. Et merci pour tout. Inch'Allah, on se retrouve demain. Voilà, excusez-moi, je voulais juste vous dire merci, mais j'ai mis le nom du petit là-dedans parce qu'il m'énerve. Voilà des gens qui n'ont pas de projet, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont rien. Sinon, un artiste qui a une entreprise, elle ne viendra pas gueuler derrière un pouvoir, une junte aux abois. Parce que comme vous n'avez pas eu d'argent là, parce que vous avez fait un budget, tout le budget que vous avez monté là pour envoyer pour confidence là, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Quel est le ministre qui ose vous remettre aujourd'hui 500 millions, 1 milliard? Ngaye, nous voulons 1 milliard pour faire un spectacle pour Doumbouya. Tout est Doumbouya dans ce pays là. Tout est Doumbouya. Donnez-nous 100 millions, on va faire truc pour Doumbouya. Donnez-nous 20 milliards, on va faire tel pour Doumbouya. Tout est Doumbouya, c'est ce que le gars a dit comme ça. C'est-à-dire, non, j'ai un morceau, ou bien j'ai une chanson pour Doumbouya. Et tout le monde, et puis va écouter la chanson, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans de culturel. Tout est popopopo, on ne comprend rien dedans. Et là, merci. Bon, on se reprend demain, Inch'Allah. Merci. Santé de fer. Bonne chance à vous. Et merci pour tout le combat que vous faites pour la Guinée à l'étranger, dans les différentes conférences. Voilà, parce que vous représentez ce pays, et puis vous êtes, c'est ce que j'ai dit en début de débat, vous n'êtes pas une petite personne, vous ne recevez pas n'importe qui. Vous avez vu le respect, la considération que les gens vous ont apporté, parce que vous méritez le respect.
C'est ça aussi la vérité. Vous méritez le respect dans ce pays-là. Voilà. Donc, pour voir, aller voir un individu qui non, même si celui-là me donne 20 milliards, je ne vais pas chanter pour lui. Il faut demander à celui-ci, il a envie d'écouter ta chanson. Tu chantes quoi même? Il faut lui dire ce que tu chantes. On ne sait pas ce que tu chantes.